Hello tout le monde. Alors c'est le Bronx. Voilà, une et deux. Voilà, la petite Arca et la petite Oua. On est en direction du Hero Festival pour ce week-end. Hein. Sauf que ben là, les bouchons. On était censé arriver il y a un moment. Il y a eu énormément de problèmes techniques, donc j'ai pas encore vlogué. Il y a eu de gros soucis. On est parti à 14h30. C'est 17h48. On n'est pas arrivé encore. Sinon, ben, je vous récupère plus tard. Normalement, on est censé faire des photos avec Scorpio Photo. Donc, je vous ferai sûrement quelques petites prises de vue pendant le shooting. Et après, il y aura une grosse pizza. Et puis, direction l'hôtel. Oui, je vous récupère. On est chez Scorpio. On fait des photos. Donc, on est juste toutes trop belles. Viens là, petit scarabée. Voilà, on profite. Il est parti chercher les pizzas. Il nous a laissé l'appareil avec le studio. Donc, on va s'amuser. Il nous a dit de nous amuser, donc on va en profiter. Et sur ce, je vous récupère un peu plus tard. Bon les enfants, on est arrivé à l'hôtel. On pensait genre pas avoir de toilette. Bah en fait, on en a. Voilà. Vous allez voir ma tronche qui dépasse. Bon, on a pris un truc. Attendez, elle a sa valise au milieu. Ouais, le Ibis Budget qui est juste en face de la convention. Bah c'est pas mal, il y a des petites serviettes. Il y a la douche, il y a même du gel douche, ça c'est cool. Il y a les petits gobelets. C'est pour ma vieille tronche. C'est pour les dents. Ah mais j'ai pris ma serviette quand même. J'ai pris du gel douche et du shampoing. J'ai pris du shampoing, du gel douche. Je lui dis je suis à l'hôtel, merde. Alors, regardez-moi la taille du rat. Il est là, la taille du rat. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Ok. Moi, je considère parce qu'après, on peut les ramener chez nous, même si on les a. Non, non, quand même, faut peut-être pas abuser. Moi, je pense que si, c'est pas. Tu peux ramener, attends, vas-y. Non, mais là, c'est un gros pouce-pouce. Ah, c'est les pouce-pouce rechargeables. Oui. Oui, mais attends. C'est moi la taille du rat. Y'a la savonnette. Donc, voilà, petit tour de la chambre, on s'est posé, on a tout étalé comme des merdes. Des godets. Des quoi? Des godets? Des godets. Mais qu'est-ce que c'est des godets? C'est un mélange entre gobelet et je dirais. Non mais vous m'avez. C'est un zombie, regardez-moi le maquillage bleu. Et donc voilà, et on s'est pris aussi les petits déj. Donc, et le parking. Et le parking aussi souterrain. Je sais pas si on va avoir la vue. La cuisine. Voilà, si on voit un petit peu. C'est Noé Schmitt, ouais. On avait soif, mais il n'y a pas d'eau. Et voilà, je vous laisse et on se retrouve demain pour la convention. Hello tout le monde, c'est le matin, on a la tête au fond du cul. Sinon, à part ça, à Utah, ouais. On parle de Genshin Impact. Ouais, on parle de Genshin Impact. Même si je vais porter la tenue que dimanche. Et qu'elle, elle est vilaine parce qu'elle a toujours pas fait de tenue. Voilà, elle, là. Ce scarabée là. Le rat. Ouais, la taille du rat. Sinon, bah, là, c'est quoi? C'est 7h, presque 8h. On va aller se préparer, vite fait, pour aller descendre déjeuner. Enfin, genre, on va aller mettre un jogging. Hein, voilà. Je vais pas vous cacher. Non, mais je vais pas te filmer si tu veux pas que je te filme. Non, c'était pas ça. Ah. Et après, bah, on va se préparer pour aller au Hero Festival. Et je vous ferai quelques prises de vue, je pense. Je vous montrerai nos tenues et tout ça. À tout à l'heure. Ça y est, on vous retrouve, on est toutes prêtes. Bah, je vais après vous faire une autre vidéo pour que vous voyez la tenue entière. Mais voilà ce que ça donne avec le chapeau. Voilà. Et puis de toute façon, on fera quelques petites photos. A tout à l'heure à la convention. Oui, je vous retrouve à la convention. Donc, je ne sais pas si vous voyez un peu mieux. J'ai déjà fait quelques petites photos, je vous partagerai ça. Et ben...
voilà, il y a du monde, il y a beaucoup de monde. Au niveau de la queue, bon, je vous expliquerai tout, mais en gros, ce qui était le plus long, c'était le pass sanitaire. Après, le reste, en vrai, ça allait. C'était pas, on a dû mettre un quart d'heure pour rentrer dans la convention, donc ça va. Allez, on se dit à plus tard. Bon, je vous retrouve avec ma vieille tête. On est à l'hôtel. Qu'est-ce que je peux dire de plus? On va partir en shooting photo. Ouais, toi tu vas partir en shooting photo. Je devais aussi le faire, sauf que bah, là j'en peux plus avec la queue. Tout le monde m'a saoulée en fait dans la convention, bien sûr. Tu sais, les gens ils passent, ils peuvent pas faire attention, faut qu'ils te fassent un ravalement de façade là. Ils font le bordel. Sinon la convention était sympa, la Harry a été reconnue. Bon, certains disaient que j'étais un écureuil, mais bon, on peut pas tout avoir. Quoi dire d'autre? À cause du pass sanitaire, genre on met 100 ans à rentrer dans la convention alors qu'avant ben, on rentrait très très vite. Et sinon, ben, c'était cool, on n'avait pas les masques dans la convention, donc on n'a pas détruit le maquillage. J'ai eu pas mal de photos. Qu'est-ce qu'il y a? Pas de masque. Oui, voilà, pas de masque, c'est ce que j'ai dit. Ouais. Pas de soucis. Et ben, j'ai eu pas mal de photos, donc ça c'est cool, j'essaierai de tout retrouver pour de toute façon vous les montrer. Après bon là j'ai le maquillage qui a un petit peu coulé d'ailleurs. Sinon voilà ce que j'avais fait, un peu orangé avec les moustaches. Et voilà, qu'est-ce que je voulais dire de plus? Oui, je ferai sûrement des photos de cette tenue avec mon petit double, de toute façon, comme d'hab. Sinon oui, c'était un cosplay plutôt cool, à part la queue, bah, vu que les gens me trimballaient de partout, c'était chiant, mais sinon, et j'avais très mal au dos par contre, mais sinon ça va. Sur ce, bah, je vous laisse, je vous prendrai quelques vidéos de son shooting, je pense, et bah, on se retrouve sûrement ce soir. Je pense aussi de même, vu que je serai en crutching, j'ai bien prononcé, ouais, ça bon. Va, vu que je serai en crutching... Kicking pour les gens français, avec l'arme d'ailleurs, vous voyez l'épée juste là. J'essaierai de vous prendre un peu les stands en vidéo et tout, mais là c'est vrai que vu que j'avais le seau, j'avais l'orbe, j'avais tout, c'était un peu chiant. Donc j'essaierai de vous montrer un petit peu la convention demain, vu que j'aurai les mains un peu plus libres. Et voilà. Allez, c'est parti pour le shooting. Regardez comme c'est trop beau. Je sais plus comment ça s'appelle, tu te souviens comment ça s'appelle toi ou pas? Château Longchamp, je crois. Palais Longchamp. Palais Longchamp. Elles sont un fond touriste. Voilà. C'est pour mon vlog, laisse-moi tranquille. On n'est pas d'ici. Et là, hop. C'est un parc juste trop beau. Et elles vont faire des petites photos. Je devais en faire aussi, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, bon déjà le lieu se porte pas spécialement au personnage. Et voilà. Une belle gosse. Mais regardez, ils vont faire des photos juste trop belles. Et je continue de vous faire la visite. Là, on a monté les escaliers. Donc, il y a la statue que vous voyez. Désolée pour le soleil, mais là, on est entièrement monté. Et c'est trop beau. Pardon, je gêne. Et voilà. Après, il y a un petit parc aussi derrière, on peut faire tout le tour, c'est juste trop beau. Hop, et je continue. Donc, on est passé là. Et ensuite, regardez cette vue, genre, juste trop belle. Et c'est quoi là ce que tu m'as dit qui est là-bas, là ? C'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Dominique. Ah, ça doit être une église ou un truc. Ou... J'ai peur que si c'est pas une église. Sainte, je sais pas. Ah, si, bon, ben c'est ouais, mais Sainte Rita, c'est pour les misères. Sainte Rita, c'est la 7. Au secours. Mais du coup, il y a la vue, elle est trop belle avec le ciel. Il y a des trucs beaux à Marseille apparemment. Regarde, c'est mon homme là-bas. Ah, il y a l'homme de Vic juste en face. Hein, parce qu'elle aime bien les hommes avec des petits zizi. Ah, mais les Grecs, tu sais. Et voilà. Bon, j'ai oublié de filmer. Je sais pas si vous allez m'entendre parce qu'il y a beaucoup de bruit dans le resto. Bon, on est dans un petit resto chinois. Genre trop bon. Nouilles sautées, petit ravioli. Et ça va partir sûrement sur des raviolis. En dessert aussi à la banane et au Nutella. Ouais, elle a tout fini. On y va pour son anniversaire d'ailleurs. Et voilà, je vous retrouve sûrement demain parce que ce soir on va sûrement tomber comme des masses. Voilà. Hello tout le monde, on se retrouve le dimanche à l'hôtel et voilà le petit déj. Ensuite on va se préparer, je pense que je vous ferai quelques prises de vue pendant le maquillage et
direction Eurofestival, dernier. Bon, vous allez vous foutre de ma gueule. J'ai pensé à tout, mais pas à mes collants. Je sais absolument pas où est-ce qu'ils sont passés depuis le shooting que j'ai fait cet été. Donc ben, j'ai des collants genre normaux. Tant pis, hein, on aura tout. L'arme, les chaussures, tout, mais pas les collants. Bon, je suis un petit peu dégoûtée, mais c'est pas grave. Voilà ce que ça donne avec le maquillage. Comme ça. D'ailleurs, là, j'ai le pupette qui s'est décollé. Il va falloir que je remette un coup de colle et je vous retrouve après à la convention. On a pris du thé glacé, du vrai thé glacé, un onigiri au... C'était quoi? Ton maillot? Ouais. Ton maillot. Et après, on a pris un curry, curry avec l'escalope, c'est katsu, je crois le nom. L'escalope katsu. On va manger tranquillou et après, on va retourner balader. Puis il y a le concours cosplay à 14h30, je crois, sur la scène. Donc, on ira voir ça et je vous ferai quelques prises de nouilles aussi pour que vous puissiez un peu participer au concours. A tout à l'heure. Oui, alors je vous avais pas montré la tenue complète, donc là on est dans les vestiaires parce qu'il y a un pépette qui se change juste derrière. Donc, bah, vous l'avez vu passer. Donc j'ai les chaussures, j'ai l'épée, tout va bien, sauf bah, j'ai pas les bons collants, mais je sais pas du tout où est-ce qu'ils sont passés. Mais voilà, c'était pour vous montrer un petit peu à quoi je ressemblais. Avec bon, le maquillage, je vous l'avais montré, mais j'avais pas trop montré la tenue entière. Donc voilà. Convention bientôt finie, d'ailleurs on va aller regarder le concours cosplay je pense dans pas longtemps et on va partir vers 16h30 on m'avait dit. Après moi ce qui est bien c'est que je suis déjà changée. Oui après elle se change juste derrière, on va essayer, je me mets bien au milieu tel un tank pour cacher ce qui se passe. Et voilà. General Porter. General Porter. All personnel report immediately to battle. You know what, Clive? Playing a villain on TV was fun, but being one in real life is even better. Heist music! Here it comes!
Tu dois répondre de tes actes. Yone, va-t'en maintenant. Tu nous as déshonorés. Tu avais juré de le protéger. Et toi, de protéger Yonia. Regarde donc autour de toi. Ton honneur souille le sol. C'est mieux que de ne pas en avoir. Allez, on va attaquer direct, on applaudit bien fort, Jin de Genshin Impact! Quand je me réveille dehors, il fait beau. Mais c'est pas vrai, j'ai encore passé la nuit au bureau. À peine réveillé, que je dois retourner bosser. Les décrets, les dossiers se sont multipliés. Et puis je cours ce cli à travers tout mon stack. Il me faut l'attraper ou tout va exploser. Plutôt que de la gronder, je crois que je vais la tuer. Mais putain, où ces bombes sont cachées? Non, mais c'est pas vrai! Et je me demande et demande et demande si je fais pas un burn-out. Vous avez commis des crimes contre Bord de Ciel et ses habitants. Qu'avez-vous à dire pour votre défense? Oh là là, elle va pas me gonfler longtemps, la rouquine. Thank you.
spotted. Here we go. To approach, I should scan it. Hello? De tir. Continuez d'avancer, capitaine. Oui, amiral suprême. Dame Port-Vaillant, la mission est une réussite. Nos agents infiltrés ont évacué la zone. Merci, maître espion. Grand bricoleur, êtes-vous prêt? J'activerai notre surprise dès que nous serons à portée. Attendez. Mieux maintenant, pourquoi vous n'affichez pas ces horribles choses en public? Tu n'as peut-être tout simplement aucun goût. Venti! Passons. Nous avons ce pourquoi nous sommes venus. Partons, avant que nos petits amis de l'ordre n'arrivent. Ne laissons aucune trace. Je vous retrouve quelques jours après le Hero Festival, on est exactement le vendredi 12 novembre. Donc je voulais vous faire cette petite vidéo pour finir le vlog en fait et vous dire ce que j'ai pensé de la convention. Je sais pas si je mélange les points négatifs et les points positifs ou si je vous fais d'abord le positif. Bon, je vais discuter un peu et puis on verra comment ça se goupille. Donc c'était juste pour vous dire que bah, cette convention avait été vraiment très bien. Alors bien sûr, le pass sanitaire, c'est chiant. Bon, heureusement, on n'avait pas besoin des masques et tout ça, comme je vous l'ai dit, mais c'est vrai que ça faisait en fait une grosse queue devant la convention, alors que d'habitude, au Hero Festival, il n'y en a pas du tout. Surtout que le deuxième jour, bah, on a eu de la chance de passer rapidement, parce que bah, on était en cosplay, et ils nous ont fait passer comme si on était... Enfin, on participait au concours cosplay, ou enfin bon, je sais pas trop, mais on est passé sur le côté, en fait.
Donc là, on n'a pas attendu, c'était cool. Mais c'est vrai que pour les personnes qui ont le pass des 2 jours, je trouvais ça un peu con de nous refaire passer le pass sanitaire, alors que on l'avait déjà montré la veille, et donc qu'il était toujours valable. Donc ça, j'ai trouvé ça un petit peu bête. Après, que ce soit cosplayer ou personne qui venait juste visiter en soi, ça changeait rien. Enfin, si vous avez déjà monté votre pass la veille, qu'il était valable pendant 2 jours, c'est bon, quoi. Bon, à part ça, j'espère que le pass va s'arrêter assez rapidement parce que ça commence à être relou. Sinon, pour les cosplayers, la convention, elle était bien dans le sens où il y avait une conciergerie qui était gratuite pour ceux qui étaient en cosplay. Donc, il n'y avait pas besoin de payer les 2 euros comme pour les gens qui viennent habillés en tenue normale, on va dire. Il y avait également un vestiaire disponible. Donc ça, j'ai trouvé ça super parce que c'est vrai que en convention, quand tu es en cosplay, au bout de 5-6 heures, on va dire, surtout quand tu arrives le matin, après tu commences à en avoir marre parce que forcément la perruque elle te sert. Des fois, tu as froid parce que ça dépend des cosplays que tu portes, si le temps change, machin et tout. Donc je trouvais ça vachement cool de se dire tu peux prendre un sac avec des affaires de rechange, le laisser, pouvoir te changer et puis pouvoir continuer à rester à la convention. Après, bien sûr, le seul souci du Hero Festival, c'est que quand tu sors, c'est définitif. Alors que ça n'est pas forcément dans toutes les conventions, mais bon. S'ils arrivent à mettre en place la conciergerie plus le vestiaire pour se changer en soi, ça peut se compenser là-dessus. Après, sinon, je me suis régalée au niveau de la convention, c'était super. Comme d'habitude, c'est une de mes conventions préférées. Le seul souci, c'était que il n'y avait qu'un seul hall et les tarifs étaient les mêmes. Alors, je ne sais pas si c'est le Covid ou je sais pas, qu'ils n'ont pas eu assez les budgets pour ouvrir les 2 halls comme d'habitude. Ça, j'ai trouvé ça un peu chiant. Mais après, sinon, ça reste toujours une convention que j'aime beaucoup. Et qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Vu qu'ils n'avaient pas tout ouvert, ils avaient mis une scène à l'extérieur, ça c'était assez sympa. Mais du coup, le coin photo qu'il y avait avec les arbres et tout ça, il était un peu niet. On a dû faire les photos contre un mur, alors c'est pas top top. Mais je pense que ça, ils changeront ça dès l'année prochaine, parce que c'est sûrement des soucis de budget à ce niveau-là. Sinon, à part ça, j'y retournerai sûrement l'année prochaine, quoi, comme chaque année depuis pas mal d'années d'ailleurs. Et j'espère que ce vlog vous a plu en tout cas. Et sur ce, je vous dis à la prochaine dans une toute nouvelle vidéo. Tchuss !